beau, les moments les plus forts de la Star Academy 4, 16 semaines qui ont bouleversé leur vie. Tout de suite, une chanson extraite de votre dernier album, les Star Academiciens, les meilleurs moments du prime. Ben, ça tombe bien et adieu monsieur le professeur, c'était belle aventure hein, celle-là, avec monsieur Oscar Sisto dans le rôle du professeur, c'est parti. Musique. Les enfants font une farandole, et le vieux maître est tout ému. Demain il va quitter sa chère école, sur cette estrade il ne montera plus. Adieu monsieur le professeur, on ne vous oubliera plus, combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu monsieur le professeur. Sur sa main, seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimé tout au long de sa vie. Adieu la grève. Tous les discours sont terminés. Sous le préau, l'assistance se lève. Une dernière fois, les enfants vont chanter. Adieu, monsieur. Adieu. Pour les moments les plus forts de la Star Academy 4, 16 semaines qui ont bouleversé leur vie. Tout de suite, une chanson extraite de votre dernier album, les Star Academiciens, les meilleurs moments du prime. Ben, ça tombe bien et adieu monsieur le professeur, c'était belle aventure hein, celle-là, avec monsieur Oscar Sisto dans le rôle du professeur, c'est parti. Musique. Les enfants font une parole. Le vieux maître est tout ému. Demain il va quitter sa chère école, sur cette estrade il ne montera plus. Adieu monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la grève. Nous offrons ces quelques fleurs pour dire
sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimé tout au long de sa vie. Adieu, monsieur Dieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Tous les discours sont terminés. Sous le préau, l'assistance se lève. Une dernière fois, les enfants vont chanter. Adieu, monsieur Dieu, monsieur le professeur. On ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera. Adios, señor el profesor. Va, vous restez avec nous quand même, Oscar. Oscar Sisto. Vous ne partez pas, dites-moi, Oscar. Non, je ne pars pas. Où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Il n'y a pas un charter pour l'Argentine, là, non? Non, c'est juste pour la chanson. Pas encore, oui. Troisième, Starac, troisième. Je peux vous piquer votre place, monsieur le directeur? Dites-moi, le maître mot de ce que vous avez vécu cette année, c'était quoi? Émotion, plus que jamais. Merci beaucoup, monsieur Gérard Louvain. Oui. Dans un instant, vous allez peut-être changer, entre guillemets, l'avenir de l'un de nos élèves, d'une fille ou d'un garçon. Nos ex-élèves. Oui, peut-être. Vous avez une annonce à faire? Oui. Vous n'avez pas de dire, non, rien du tout. Non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, d'accord, tout à l'heure. Si vous aussi, l'année prochaine, vous voulez participer à la Star Academy, c'est possible. Il y a un numéro de téléphone, d'ores et déjà, c'est le 0890 714 730. Vous pouvez téléphoner d'ores et déjà et envoyer votre cassette et suivre la démarche. Peut-être que l'année prochaine, vous vous souviendrez de cet instant où on vous donne le numéro de téléphone parce que vous serez peut-être ici, au milieu, avec nos élèves de la Star Academy, avec des artistes pendant 16 semaines de spectacle. Bon, on en est où? Ça va, vous passez une bonne soirée? Septième semaine d'aventure, les élèves sont à l'aise. Maintenant, ils commencent un peu à trouver leur marque, ils commencent à souffler. Ils sont tellement à l'aise qu'ils veulent imiter leur modèle. C'est le cas pour Sofiane, qui a eu la chance de chanter avec les plus séducteurs des séducteurs, hein? Avec Julio Iglesias et Sofiane sur ce plateau. Vous, les femmes. Voilà. Comment enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie, enfin. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié de rêver les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi.
est éphémère, alors vivons pendant qu'on peut encore le faire. Mes chers, alors on vit chaque jour comme le dernier. La papa, et vous feriez pareil si seulement vous saviez. La papa, combien de fois la fin du monde nous affolait. Chaque jour comme le dernier. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges adorables, et nous sommes nous les hommes pauvres diables. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce et vous la source de nos larmes. Pauvre diable que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Montez, there's just an empty space. But to wait for you, that's all I can do. That's what I've got. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan las días. Harlem chanter avec Ariel Dombal, c'est un rêve d'enfant ? Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ça fait longtemps que j'en rêve. Non, sincèrement, Ariel Dombal, c'est l'objet de mes fantasmes depuis tout petit. Ouais, parce que quand vous étiez petit, vous l'embrassiez. Sur l'écran de la télé, non, sincèrement. C'est pour ça que je pose la question. Et alors, de près, ça fait quoi ? C'est encore mieux. Ouf. Francesca, vous en avez voulu à Lucie parce qu'elle chantait avec Corneille ? C'est mauvais de dire ça, j'en ai pas voulu, c'était mon rêve de chanter avec lui, donc j'étais un vous petit peu... Vous étiez amère, vous l'aviez exprimé j'étais quand même. Ouais, j'étais un petit peu triste de pas chanter avec lui, c'est vrai, mais après on s'est parlé, et donc voilà. Bah, et Corneille est là, mesdames et... Non, je plaisante. Toujours pas. Non, mais il y aura pas de surprise ce soir. Non, mais c'est vrai, il y en a toute l'année ce soir. Vous voulez une surprise? Vous l'aurez tout à l'heure. Après le sujet d'Isabelle Charles, c'était ma surprise cette année, Isabelle. Isabelle Charles n'a pas voulu de moi à ce jeu de séduction, mais j'ai été pris à mon propre piège. Je sais. Peut-être que ce soir, elle changera d'avis, peut-être que ce soir, elle craquera littéralement, enfin, je ne crois pas. Regardez, et juste après, Isabelle, tu es belle. Destinée. On était tous les deux destinés. Vous avez déclaré votre flamme pour moi. Oui, c'est vrai, mais je s'aimer sans demander pourquoi. Toi et moi, destinés. Inutile de fuir ou de lutter. Isabelle. Moi, j'ai été choqué par votre attitude. J'ai été choqué parce que vous m'avez trahi, Isabelle. Pour manger, j'ai fait venir quelques copines. Elles sont là. Isabelle, c'est la dernière fois que je te le dis. Je suis pas d'humeur, hein. Si qu'on prenne la tête, Isabelle. Hein. J'ai mes copines. S'il te plaît, arrête. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir. Il y a une invitée spéciale. En plus, ça va danser pour vous. Voici Lily Belle Charles dit Lily Gambette. Thank you.
écrit dans notre destinée. Tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé. C'est toutefois vos sentiments envers moi sont sincères. Oui. Vous savez me joindre. Bon, Isabelle, Isabelle, vous êtes belle. Vous me pardonnez? Je vous pardonne, Nico. C'est fini entre nous. Ouais, c'est fini. C'est fini, je voilà. Je ne vous céderai jamais. Non, non, mais elle veut pas. Elle n'a jamais cédé. Mais bon, excusez-moi. Isabelle, avant d'entrer à la Star Academy, elle se destinait à une carrière de soprano lyrique. C'est vrai? Oui. Vous vous êtes sacrifiée pour nous. Oh. Isabelle Charles, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, qui gardent l'humour, la classe et la voix. Et c'est le tube de 2005, hein, moi je vous le dis. Quelques cours de chant, quand même, tu te fais pas de mal. C'est vrai qu'on va travailler l'organe ensemble. Elle me chauffe jusqu'au bout. Vous vous souvenez de la 8e semaine, Oda? Il y a eu tellement de choses que... Vas-y, la classe totale. Regardez.
je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être. C'était la chanson de Daniel Balavoine. Oui. Il s'est passé un truc, la claque. Je crois que les gens ont été émus, séduits dans SOS, la dernière en détresse. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ce soir-là? Ben, je sais pas, avec l'orchestre symphonique, la chanson que, ben, que je trouvais merveilleuse, et ben, ça a fait boule de neige. Et puis voilà. C'était la chanson la plus difficile à interpréter sur Sprite? Ben, pour moi, oui, oui. Mais j'avais la chance d'être en pleine forme ce jour. La bonne analyse, souvent, il faut bien le dire, à la distance. Mais il y a un jour, il a une crise d'angoisse, comme ça, il commence à embrasser tout le monde. Il devient serial kisser. J'y suis même passé, j'ai été la victime en direct, il m'a roulé une pelle. Ça vous a plu, Nikos? Énormément, ça, c'est, on va en parler à la coupure pub, hein, mais pas tout de suite. On regarde le sujet juste après. On va peut-être tous vous embrasser sur la bouche, vous en pensez quoi? Vous allez voir ce que ça fait. Hein, c'est parti. J'adore. J'ai un défi à relever et rien ne m'arrêtera, ok? Ni Kamel ni Oscar sont de la bouche. C'est quand même une bonne info, je trouve. Kiss. J'ai osé. Non mais ça va pas à la tête. Qui sont vos prochaines victimes? Mais ça y est, j'ai rendu mon costume de serial kisser. En fait, vous savez, comme on n'a pas d'informations quand on est à l'intérieur du château, je savais pas que ça prenait. Tout le monde en parlait dehors et tout. Et un jour, on m'a dit, voilà, vous faites de la pub sur le dos de votre personnage de serial kisser. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. Voilà, mais j'ai terminé par, je crois que c'était Gérard Louvain. Hein, c'était le dernier parce qu'il réclamait aussi Gérard Louvain. Il faut savoir. Vous en voulez encore, Gérard? On y va? Vous en voulez encore? Si vous voulez, on y va. Là, Mathieu, non, mais allez-y, je vous en prie. Non, je peux pas me permettre. Non, mais allez-y. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Le bisou, le bisou, le bisou. Hey. Mais non, il sait que je l'aime déjà, il sait que je l'aime. On se dégonfle là, mon pote, hein. Embrassez qui vous voulez, choisissez le prof, c'est... Vous avez le choix. Ce que vous voulez, c'est cadeau ce soir. C'est bonne année, allez-y. Bonne résolution. Non, c'est la mienne, celle-là, vieux. Avec en apesanteur, l'envie d'aimer, on chante tout, on revit les grands moments de l'année dernière, on se refait la Starac ensemble et on prend de nouvelles résolutions. Il y aura la tournée avec une surprise de Gérard Louvain sur ce même plateau. Allez à vous, toute la musique que j'aime. Encore. Toute la musique que j'aime. Hey, elle vient de là. Bienvenue, c'est les moments les plus forts de la Star Academy. En 4 mois d'aventure, les plus grandes stars françaises mais internationales nous auront de visite. Nos élèves ont revisité les standards de la chanson française. Vous vous souvenez de Casser la voix avec Patrick Bruel? Il y a eu En apesanteur avec Calogero. Il y a eu Michel Fuga avec Attention mesdames et messieurs. Dans un instant, ça va commencer. Envoyez les images. Attention mesdames et messieurs, c'est important, ça va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Oh,
strong survivor. Si ce soir j'ai pas envie de rentrer tout seul, si ce soir j'ai pas envie de rentrer chez moi, si ce soir j'ai pas envie de fermer ma gueule, moi ce soir, oui ce soir, j'ai envie de me casser la voix. Dans cet ascenseur, en apesanteur, en apesanteur. Gauthier et Lenny, je vous ai vu regarder Lucie chanter, ça vous a impressionné? Ben, Lucie, autant que les autres, j'étais très impressionné. C'est vrai que c'est tous des grands chanteurs et ben, j'ai adoré partager cette aventure avec eux. Ouais. Lenny, qu'est-ce que vous avez appris, vous? Ben, moi, j'ai appris plein de choses. On s'est quelques jours à la Starac. J'ai appris plein de choses, notamment avec Milo, que je remercie. Il vous a donné, Milo? Oui, beaucoup. Ouais, ouais. C'était super. C'est une super aventure, même si ça s'est arrêté très tôt pour moi. J'étais ravie d'avoir passé une semaine à Bouddha ou à Bouddha, n'est-ce pas, Arlène? C'était super. Ouais, ouais. Regardez le sourire aussi. Une bonne chance, ouais, pour la merci. Suite. Il y a des profs qui jouent pas à faire semblant avec vous, mais qui vous donnent. On a parlé de Milo. Il y a aussi Michael Jones. Hein? Michael, wouh! Allez, on va accueillir Michael Jones ensemble. Et Michael ne vient pas seul, il a deux copines avec lui. Ça va, Michael? Venez, je vous en prie. Vous êtes venu avec vos copines? Non, pas vraiment. Il se trouve que le 22 décembre, c'était un moment très fort. On se rappellera souvent, c'était la finale, la victoire de Greg. Et on a complètement oublié que 3 jours après, c'était Noël. Donc, pour remédier à ça, bon, 10 jours plus tard, c'est Noël pour vous. Merci beaucoup, Michael Jones, qui fait un cadeau à qui? À Mathieu. Il offre des guitares à nos élèves. Et merci, merci Michael. Et il y aura des guitares aussi en coulisses pour tous ceux qui savent jouer. Il y a 8 guitares au total. C'est le Père Noël de 2005 avant l'heure. Merci beaucoup, Michael. Et c'est pas fini. Je demande à Mathieu, je demande à John, à Tina, Francesca et Karima de s'installer au centre du plateau. Allez-y, je vous en prie. Avec Michael Jones, on va joindre l'utile à l'agréable. Ça vous dit de chanter un classique de Monsieur Francis Cabrel? Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Musique, c'est parti.
un enfant né sur les galères. Le vent dans tes cheveux défaits, comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Seule la lumière pourrait défaire nos repères secrets. Où mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres coins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attends. L'amour comme s'il en pleuvait. Sur les galères, le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai, mais qu'il ne s'approche jamais. Je l'ai vu pris dans tes filets. Le monde a tellement de regrets. Tellement de choses qu'on promet. Celle pour laquelle je suis faite. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais. Et quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace. Dans le moindre rêve où tu t'attends. L'amour comme s'il pleuvait. Nu sur les galets. On s'envolera du même guet. Les yeux dans les mêmes reflets. Pour cette vie et celle d'après. Sera mon unique projet. Je m'en irai poser tes portraits à tous les plafonds de tous les palais, sur tous les murs que je trouverai. Et juste en dessous j'écrirai que seule la lumière pourrait. Mes doigts pris sur tes poignets. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Michael Jones, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Et oh là, ma voisine. Vous au château, c'était un jour je t'en mets une. Le lendemain, je te caresse. Vous avez continué en sortant, Sofiane? Moi, je dirais que, en fait, quand on est rentré dans le château, même dans le bus, c'est vraiment la première rencontre qui, voilà, j'ai eu le feeling. C'était le coup tout de suite? Non, j'ai eu le feeling. C'était ma première rencontre où je l'ai kiffé. Ah, c'est vrai, je suis quelqu'un de... Non, pas le coup de foudre, Greg. Non. Donc, on va pas. Mais même là, il s'engueule. Là. Il dit non, je suis résistible. Non, on va pas. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est vrai. Non, on se prend pas le show, voilà. C'est amitié, amour, c'est quoi? On sait pas. Vous voulez pas me dire? C'est amitié. Ok, regardez, on a les images. C'est amitié, mais je t'en mets une. Tain ! Ils adorent se taper dessus. Non, mais c'est... Faites pas ça à la maison, les enfants. Amitié ou moi ? Quand on parle d'amour ou d'amitié. Allez, la réponse juste après le magnéto, regardez. Quelle fille préfères-tu dans le château? C'est Sandy. Oh, allez,
Non mais tu l'aimes bien, tu l'aimes bien ou tu l'aimes bien? Oui j'aime bien, j'ai... Il est amoureux. Touche mon cœur sincèrement. Le lover loser. C'est un lover et qu'il a besoin d'avoir plein de nanas autour de lui et que mon avis doit être un peu en manque quoi. On va ensemble soir. T'es relou hein. Derma tu lis. Je jure je lis. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ferai pas une maladie. Tu veux pas. Salut, pourquoi Sofiane et Sandy, vous ne sortez pas ensemble? Vous allez bien ensemble, vous êtes mes deux chouchous, Marine. Bah je sais pas, attendu la question. Tu veux ou tu veux pas? Les trois nominés sont... Sofiane. Sofiane, c'est vraiment mon chouchou, quoi. Je le vois pas du tout bouger du château. Ne pars pas ou je meurs avant l'heure. Si je perds mon essence. C'est pas possible que tu sortes, c'est impossible. Ah si, c'est possible. Sandy, qui avez-vous décidé de sauver? Sofiane. Sofiane, c'est Sofiane qui repart au château. Eh ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est peut-être l'amour. Sofiane, qu'est-ce que vous préférez plus chez Sandy? Sa joie de vivre, en fait. C'est une fraîcheur de vivre, comme on dit chez moi. Et j'aime bien les filles. En plus, c'est une fille qui, même malgré qu'elle soit jeune, c'est une fille qu'on veut et qui sait ce qu'elle veut. Et ça, c'est ce que j'aime en général chez une femme. Et c'est ce qu'elle veut. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Sandy, chez Sofiane. Qu'est-ce que je préfère? Sa générosité, malgré qu'il soit très timide, parce qu'on dirait pas comme ça, mais il est très timide. J'aime déjà son talent artistique, parce que je pense que c'est même la plus belle voix du château, enfin personnellement. Et voilà. Là, c'est bien, hein? C'est l'amour. Elle y va, Sandy. Et non, mais elle y va, parce qu'ils sont tous dans la famille, ils y vont. Papa, il mâche pas ses mots, etc. Il a rencontré votre papa, Sofiane? Mais j'ai posé une question, il fallait... Oui, il est venu à Saint-Tropez, il a vu mon père, il a vu ma famille. Ça s'est très bien passé. Alors, pour sa 12e semaine d'apprentissage artistique, la Starac a créé l'événement. Vous vous souvenez de Jean-Michel Jarre? Jean-Michel Jarre qui est arrivé ici, devant le studio, à l'extérieur, qui a monté une scène. C'était un concert privé pour vous, mais en même temps, vous avez participé à ce concert puisque vous avez fait une chorégraphie qui était signée Kamel Wally. Après la Grande Muraille de Chine, la Défense à Paris, les pyramides du Caire, ben c'est ici que Jean-Michel Jarre est venu nous faire un cadeau. Regardez, et juste après, on en parle.
aussi je t'aime. Lucie, chanter avec une artiste internationale, c'était Kali. Ah, c'était impressionnant pour moi. C'est, ça a été un moment inoubliable parce qu'elle m'a vraiment bien reçue dès le matin pour répéter. Elle était très accessible et ça reste un très très grand souvenir. Merci Lucie. Merci. Kamel Wally. Toutes les chorégraphies de la Star Academy étaient signées Kamel Wally. Kamel, qu'est-ce que vous allez nous faire l'année prochaine ? Sur les toits, comme ça, du studio? Ah bah alors, justement, on a décidé peut-être que pour l'année prochaine, on investirait des lieux un peu incroyables, comme le Pont des Arts à Paris, l'Esplanade de la Défense. C'est vrai peut-être. Ouais, on a décidé qu'on mettrait la barre encore plus haute. Faut l'autorisation de la préfecture, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas pu le faire cette année, et on va s'y prendre, mais longtemps avant, et comme ça, on va peut-être même pouvoir aller au château de Versailles, pourquoi pas. Bon là, vous nous avez pris les 4 meilleurs danseurs de la Star Academy, Oda, Sandy, Enrique et John. Parlez-nous un petit peu de ce que nous allons voir maintenant. Bah, là, ce qu'on va voir, c'est assez représentatif de ce qu'on va pouvoir voir sur la tournée. Parce qu'ils vont bientôt partir en tournée. On va répéter comme des fous pendant 2 mois pour présenter au public un maximum de choses et peut-être même parfois plus abouti que sur le Prime. Parce que sur le Prime, c'est toujours dans l'urgence. On a un minimum de temps. Et sur la tournée, on aura un maximum de temps pour s'éclater et donner au public voilà, un maximum de choses le plus professionnel possible. Voilà. Seven Nation Army, c'est encore une création, mesdames et messieurs. C'est la Starat qui commence l'année. Regardez, les meilleurs danseurs de notre académie sont là ce soir. Regardez ce qu'ils ont appris, regardez ce qu'ils vont vous donner. C'est parti. Dans la toile d'araignée, les 4 meilleurs danseurs de la Star Academy ne sont pas pris au piège dans la toile. Ils la maîtrisent. Venez avec moi, Enrique. Qu'est-ce qui vous a appris, Kamel, au niveau de la danse? Quel a été votre apprentissage à la Star? Alors, déjà, je voulais féliciter tous les profs pour ce qu'ils m'ont apporté, déjà, premièrement. Aussi, je voulais remercier Kamel parce que Kamel m'a appris. C'est vrai que j'avais fait un petit peu de danse avant, mais ça suffisait pas. Parce que Kamel m'a appris à gérer l'espace en dansant.
à danser aussi vachement plus grand. Parce que c'est vachement important de danser grand, de faire des bons mouvements, de bien prononcer les gestes et tout. Et voilà ce qui m'a appris. Et je te remercie pour ça, Kamel. Voilà la sueur du show. Qu'est-ce qui vous a appris, Kamel? Alors moi, de danser avec Kamel, c'était un rêve de toute petite. Moi, je regardais toutes les comédies musicales et tout. Je disais, moi, je vais me retrouver ici un jour. Puis là, je suis là aujourd'hui, donc je le remercie. Et puis, je pense qu'on peut l'applaudir pour toutes les super chorégraphies qu'il a pu faire. Voilà. Merci. La Starac, c'est une école rigoureuse de danse, de chant, avec des profs compétents comme Kamel, comme les autres. On y travaille beaucoup, mais dans la bonne humeur. Et quand on a pour devise nos limites, ça peut vite se transformer en... C'est la folie totale. Hein. Voici le résumé de 95 jours de folie, de délire, bref, de grand n'importe quoi. On y va, c'est parti. La Starac, c'est nos limites. André, l'enfant par la main. Et en plus, ça va aller. La Starac 4, c'est nos limites. C'est nos limites. Tina et Mathieu sont bel et bien amoureux. On vient d'avoir un zèbre. C'était accouché. Bonbon. Même pour les filles. Eh non, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a fait le mur? Harlem, combien de fois vous avez fait le mur? Simplement une fois, deux fois, trois. Attends, mais comment vous partiez comme ça sans autorisation? C'est dangereux. Dans le bois, il y a des loups. C'est aussi. Merci aussi. À cause d'Oussine. Vous, un artiste complet, sage, vous dansez, vous chantez, en plus, vous faites le mur? C'est ça que vous leur apprenez aussi? Non. Aussi. En fait, il l'avait déjà fait avec Georges Alain. Voilà, c'est ça. En fait, il nous expliquait ses exploits avec Georges Alain. Mais là où ils n'ont pas été discrets, c'est qu'ils se sont préparés devant les miroirs. Et ils se sont fait avoir en plus. Voilà. Nous, on n'avait rien préparé. On est sortis, on a eu la surprise de voir des gros chiens devant nous et on a été forcés de rentrer. Mais vous êtes mis devant les caméras pour vous maquiller. Enfin, c'était ridicule. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous allons revivre toute la tension des demi-finales pour accompagner Oda, Lucie, Grégory, Mathieu, nos quatre demi-finalistes, Jennifer Nolwenn et Elodie. On fait le déplacement pour la première fois à la Star Academy. Jean-Jacques Goldman avec sa guitare et son pote Michael Jones. Juste après la pub également, le directeur Gérard Louvain qui fera une annonce qui surprendra. Je ne vous en dis pas plus, ça se passe ici même. À tout de suite! Nous sommes de retour sur le plateau de la Star Academy. Dans un instant, vous connaîtrez le nom de l'élève. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, on a vécu ça pendant 17 semaines, les éliminations. C'est la dernière partie. C'est le moment où on commence tous à stresser. Alors, il n'y a pas d'appel ce soir. Il n'y a pas de numéro de téléphone, mais on va quand même faire taper. Hein. Vous êtes d'accord? Si vous voulez encore plus de musique, tapez. Ah! Si vous voulez encore plus de musique, tapez. Allez! Ah, ça fait du bien. Avant d'éteindre les lumières du château, nous allons revoir les derniers duos tout en émotion de nos quatre demi-finalistes avec Hélène Segarra, s'il vous plaît. Nolwenn, Serge Lama, Elodie. Et pour la première fois sur notre superbe plateau, Anastasia et Jean-Jacques Goldman. Et avant d'aborder les demi-finales, c'est vrai, il fallait déjà franchir l'étape capitale, celle de la tournée. Sur 18 élèves en compétition, seuls 8 ont été finalement sélectionnés pour sillonner les routes de France. Le bonheur pour les uns, l'immense déception bien sûr pour les autres. Voici le rappel des faits en musique. C'est parti!
rappelle que là, vous êtes donc 13 êtres venus. Il y en a 5 à 19h qui remonteront dans le car. Je suis navré, c'est un peu dur. C'est un peu cruel de rester juste une journée et devoir partir si on fait pas partie des 8, quoi. Cette tournée, mais tu te battes, quoi. Mais j'ai trop envie de la faire, cette tournée, déjà, pour tout, artistiquement, machin et tout. On attend tous le verdict. On attend de savoir qui seront les heureux élus. Alors, ceux qui, pour nous, ne peuvent pas faire la tournée, Lenny, Gauthier et Morgane. Sébastien, tu n'as pas complètement réussi à nous convaincre. Enrique, à cause de son comportement au château, donc il rejoint ses camarades. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dis-lui-toi que je t'aime. Dis-lui, dis-lui, redis-lui quand même. Donne-moi ton corps. Est-ce que sincèrement vous vous considérez prêt pour le prime? Non. C'est l'heure de vérité et c'est la tension qui monte. Nous allons connaître dans un instant le nom des 4 académiciens qui vont faire la tournée Star Academy. Et je vais commencer avec John. Vous avez convaincu les téléspectateurs. Vous faites la tournée, John. Sofiane, vous faites la tournée. Sandy, oui. La dernière place pour la tournée, c'est... Radia, Radia qui fait la tournée. Jean Louvain. Oui. Ça a été difficile, ça a été un choix Cornelia pour vous deux. C'était un moment de terrible, choisir. Franchement, ça, quand ils sont montés dans le car, déjà c'était terrible, au château, puis alors ici c'était encore plus terrible. Alors, je voulais dire une chose ce soir, je voulais dire une chose, c'est qu'il y a un élève, dans tous les élèves, que... on va en repêcher un. On va en repêcher un parce que... Pourquoi ? C'est quelqu'un qui, je pense, a été victime de sa propre attitude, surtout sur ce plateau. Sur le plateau, aussi au château. Mais nous, vraiment, la production, Kamel, metteur en scène et chorégraphe de la tournée, Mathieu Gonnet, directeur musical, la production, Pascal Guillaume et moi-même, pensons qu'il est très utile sur cette tournée. C'est un garçon plein de talent, c'est un meneur, c'est un showman, c'est Harlem. Harlem! La surprise ce soir est... Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est un cadeau pour bien débuter 2005. Harlem fera la tournée, mesdames et messieurs. Harlem, sauvé par Jean Louvain et par la production des concerts pour qu'il fasse la tournée. Harlem! Une petite réaction au sol, mais heureux. Harlem, merci. Vous vous y attendez pas, hein? Vous avez prévu autre chose? Non, mais ah oui, sans vouloir. Pas libre. Mais je suis super dispo. C'est vrai que j'étais à deux doigts par rapport à Radia, mais comme je disais, c'était un juste retour des choses parce qu'il faut pas oublier que c'est une émission de chanteurs. Radia en est une véritable. Voilà, déjà pour toi, Radia. Le 14 avril à Grenoble, le 19 mai à Lille, le 27 mai à Lyon et le 24 juin à Paris-Bercy. Et grand concert à Bercy. Les autres dates s'inscrivent en ce moment en bas de votre écran. Voilà les élèves, les académiciens, les artistes qui chanteront pour vous sur scène en France, en Belgique et en Suisse pour faire le spectacle et pour vous divertir. C'est parti, musique. Celui qui chante, celui qui chante.
qui vont chanter pendant 4 mois chez vous. Et pendant la tournée, pas de bêtises, hein. Pas de nos limites. Vous allez être sages. Nos limites. Non. Non, 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 pas de nos limites. Si, 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 si. Non. 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 Nos limites. Nos limites. Nos limites. Nos limites. Les chutes. Les bobos. C'est vite arrivé. Non, mais c'est pour votre bien. En 4 mois au château, on a presque frôlé la catastrophe. Alors pas de nos limites. Just music. C'est parti. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincée, je suis enfermée. C'est toujours fermé, hein? Mathieu Gonnet, vous avez un problème d'équilibre avec le fauteuil, moi? Écoutez, j'ai un vrai problème, d'autant plus qu'avec la dernière chanson... Excusez-moi, c'était... En plus, il s'est fait mal. Mathieu Gonnet! Avant les demi-finales, qui étaient très difficiles, Mathieu était là avec Jasmine, avec les autres professeurs, et Mathieu a trouvé de l'énergie et la force pour qu'ils aillent jusqu'au bout. Jasmine! Oui. Oui. Vous avez coaché Mathieu et Grégory, Lucie, Oda. À ce stade de la compétition, c'était quoi? C'était la guerre des nerfs. Comment aller chercher ce petit plus qui fait qu'ils ont l'air d'être à l'aise? On avait 4 finalistes sublimes, donc c'était d'autant plus sportif. Mais on avait avec Mathieu et Lucie 2 grands marathoniens et avec Greg et Oda 2 très très grands sprinteurs. Donc ça a été un bonheur. Et ils ont bien compris le principe. Voilà. Merci beaucoup. Après une semaine d'entraînement intense, hein, vous l'avez entendu, nos 4 demi-finalistes se sont battus. Mais ils n'étaient pas seuls dans l'arène. Pour les épaulés, il y avait Hélène Segarra, il y avait Serge Lama, il y avait Nolwenn ou encore Mister Jean-Jacques Goldman qui était venu jouer un petit coup de blues avec son pote Michael Jones. Regardez, nous on est ravis de revoir ces images. Merci d'être avec nous. Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. On ira bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand,
car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. Souvenir, c'était il y a quelques semaines, c'était la Star Academy en pleine effervescence. Comment est-ce que vous avez vécu votre retour à Toulouse, Oda? C'était formidable, formidable, sincèrement. Je suis rentrée à Toulouse la tête et le cœur pleine de souvenirs et de bons moments, et ça a fait du bien de retrouver les miens. Vraiment. Et le public? J'ai eu un accueil fabuleux. J'en profite pour remercier tous mes fans, parce que contrairement à ce que je pensais, j'ai eu énormément de soutien et j'ai beaucoup de gens derrière moi. Je les remercie. Les gens vous aiment, hein, parce que vous êtes une fille bien. Merci Oda. Merci. Allez, on va revivre tous ensemble l'ultime épisode de ce feuilleton de 16 séquences. C'est votre histoire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis un final unique, spectacle grandiose. Orchestre philharmonique, 60 musiciens et 40 choristes sur scène. Il y avait la marraine Jennifer, le parrain Michel Sardou. Ils sont tous venus. Ils étaient tous là pour célébrer le dernier jour, le premier jour, celui que l'on retient, la finale de la Star Academy. C'est parti. Fermez nos yeux. Des mémoires, une demi-jour.
pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Qu'il abandonne, il viendra et je saurai le reconnaître. J'attends l'amour de mes rêves. J'attends l'amour, la douceur et la fidèle. Jour de nuit, je suis prête à aimer vraiment. J'attends l'amour simplement. Jours et nuits passés au château, des milliers d'heures de cours partagées avec vous, 17 Prime en direct, mesdames et messieurs, sans filet, des rencontres inoubliables avec des artistes de vos rêves, une aventure magique qui s'est achevée le 22 décembre dernier. On commence une nouvelle année ensemble. Venez à côté de moi, venez Grégory, venez avec vos camarades, c'est à vous que revient le mot de la fin. Venez, on va commencer l'année avec vos vœux et avec votre regarde comme ça, quand vous regardez la caméra, pour les millions de gens qui ont voté pour vous il y a quelques semaines. Bah, je les remercie encore et puis je leur souhaite bien évidemment une bonne année, surtout une bonne santé. Et je l'ai déjà dit, allez au bout de vos rêves. Allez au bout de vos rêves. Juste avant que les élèves ne chantent leur dernière chanson, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au casting de la Star Academy 5, 0890 714 730. Merci à tous. Merci à Franck Boca qui a réalisé cette émission, à Angélique Sansonetti, la chef de projet, Lionel Vialanex, Mathieu Verne, à l'équipe de production, Laurence Gratteri, Anthony Desbois, Laetitia Jarry, Alexandra Red, à tous les musiciens, Edouard, David Salkin à la batterie, Pascal Rod et François Dufin à la guitare, Olivier Brossard à la basse, Jean-Baptiste Sabiani au clavier, bien sûr, toute l'équipe d'Andemol, Arthur, Stéphane Courby, Alexandre Joubert, Virginie Calmans, bien évidemment, Étienne Moujotte, bonne année! Merci pour votre confiance et merci à toutes les équipes de TF1 qui font la Star Academy nuit et jour. C'est fini. On va se quitter en chanson. Merci au public et merci à vous chez vous. C'est fini. Salut à tous. Salut. À l'année prochaine. Voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite vitre perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton tinet, là c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai du gare. Dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour.
même si c'est non, et que même si c'est con, tous les deux nous savons que de toute façon, voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini. Nos deux mains se desserrent, nos êtres trop serrés. La foule nous emporte chacun de notre côté. C'est fini.